Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, Haïti 360, entre la caillou. Bonjour, bonsoir pour vous, quel que soit pour tout taillé, un bien sous planète Terre. C'est avec un pile de plaisir, nous comptons rejoindre nous après un week-end, et pour nous venir continuer par les faire promotion, connaissance éclairée. À ce moment-là, nous ne pouvons pas déroger nous à ce qui a passé dans le pays. Nous parlons de politique, dans le contexte côté, un nouveau premier ministre qui fait nommer, qui va bien pour mener le pays à beaucoup de présidents de la République là. Nous allons vous faire le point sur le gros chantier qui a donné le premier ministre en jeu nomination à représenter. Et pour nous faire ça, je ne vous fais chaque soir, nous bien pour nous parler avec un monde qui est trempé dans le domaine, qui a des informations utiles pour nous communiquer à vous. Je vous invite à découvrir le monde ensemble avec nous. Tout de suite, après pause. Pratiquement depuis 14 juillet, pays a pas de gagné pour les ministres et un gouvernement, ben Jean Dadia qui a liquidé les affaires courantes. Mais depuis pratiquement dimanche qui s'est passé là, ben gagné un nouveau premier ministre dans tête pays a qui nommé et par rapport avec nouveau rescrit constitution surtout suite avec amendement qui était fait dans l'année 2010, ben depuis premier ministre lui-même l'a nommé pratiquement, il est capable d'installer lui. Et en attendant que le Parlement lui-même ratifie la politique générale pour le ministre. Donc, M. Jean-Henri Seyan, ancien candidat à la présidence, ancien leader en la partie Rémé Haïti, c'est pratiquement nouveau pour le ministre pays. C'est vrai, équipe gouvernementale par la POCO en place, c'est toujours équipe gouvernementale Jacques-Guy Lafontaine qui continue à liquider les affaires courantes. Mais dans pas longtemps, il va aller pour l'installer et constituer l'équipe gouvernementale avant que l'on le présente au niveau du Parlement pour chercher ratification politique générale, pour lui dire qu'il s'allie dans la tête par rapport avec vision chef de l'État pour pays dans le prochain mois, prochain année qu'il a gagné pour venir là. Pour nous faire le point autour de nos nominations de Jean-Henri Seyan, nous allons pour nous parler avec porte-parole, une porte-parole présidentielle, M. Lucien Jura, qui est avec nous sur le plateau. Lucien Jura, bienvenue dans Haïti 360. Bonsoir Lionel Edouard, c'est un plaisir toujours pour nous sur le plateau Télévision Nationale d'Haïti. On a profité de saluer tous les fidèles téléspectateurs et téléspectatrices et puis nous allons parler. Avant nous garder en jeu et des filles qui gagnent devant Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan, on regarde avec Jean-Lucien Jura, il y a une grosse question qui a venu là tout le temps, depuis nomination, ça a fini fait là, c'est qui motivation qui cache derrière nomination Jean-Henri Seyan. Parce que pratiquement, tu as gagné 4 candidats en liste d'après information que Joseph Lambert, comme président Sénat, lui-même qui était dans la consultation communiqué à la presse, c'était Edgar Leblanc, nous connaissons Ignace Saint-Fleur, tu as gagné Jean-Henri Seyan sous table là, et puis qui est l'autre candidat? Hubert Antoine, qui était dans la liste ça, et pratiquement Choyo, lui arrêté sous Jean-Henri Seyan. Qui est ça qui a motivé et Lucien Jura, le choix de Jean-Henri Seyan parmi 4 personnalités ça que nous avons parlé là? Principalement, ça qui motive le choix de Jean-Henri Seyan, c'est l'attention soutenue que chef l'État a accordé à chaque interlocuteur, chaque secteur, chaque acteur, l'État chita parlé avec lui. Il y a des gens qui te dit qu'il n'y a pas de nécessité pour le président de la République là, tu prends tout le temps ça dans la consultation avec un ensemble de secteurs, un ensemble de personnalités, et quand la Constitution fait l'obligation uniquement au Parlement. Mais il faut nous préciser encore une fois que à partir des 6, 7 et 8 juillet, gagner une conjoncture qui t'a pral installé dans le pays, hein, qui t'a venu demander que gagner une attention particulière qui attachée à lui-même. C'est ça que fait. Le président de la République, qui dans un premier temps t'a montré que lui à l'écoute de la population, qui lui-même t'a manifesté mécontentement par rapport à ajustement prix produits pétroliers, qui t'a pral montré à partir d'un ensemble de consultations, ça, que l'été à l'écoute de tout acteur, interlocuteur, secteur, l'été rencontré, le pral dans un premier temps, gain 4 candidats et puis l'une passée avec maître Jean-Henri Seyan. Et, yon l'autre bagaille, série de consultations, ça a prouvé, c'est que le président de la République,
li mette en avant devant les intérêts supérieurs de la nation, l'intérêt collectif, c'est lui-même qui prime et au dépend de ça, on est capable de briller intérêt de chapelle ou de parti, parce que le président de la République n'a pas à chercher nos réservoirs, nos amis pour le confier poste là, il tendait tout acteur, ensuite il prend une décision. Qui ça qui motivait choix mettre Jean-Henri Séan par rapport à trois autres concurrents qui ont même pas démérité tout, que c'est M. Ignace Saint-Fleur, que c'est M. Hubert Antoine ou encore ancien sénateur Edgar Leblanc, ils ont tous les trois soulevés dans une large mesure de répondre à profil que ensemble interlocuteurs eux-mêmes ont été dressés par le président pour téléspectateurs pour comprendre plus bien ça se passe dans le cadre de consolidation ça. C'est quoi m'a dit le président Jovenel Moïse li gagné en crayon en main et puis interlocuteur yo acteur l'a discuté avec yo yo même et a balle des informations et a guidé et puis puzzle raconté. Voilà, c'est un croquis, son puzzle avec un ensemble de pièces et chaque discussion t'est fait l'objet de notes, yo t'est fait l'objet d'analyse, de commentaires, jusqu'à ce que nous arrivions là. Là, c'est qui côté? C'est la désignation d'un homme trait d'union. Alors, très bien. D'un homme, nous t'a dit, intersection, qui, lui-même, qu'a considéré facilement comme étant un homme passerelle, un homme pont, en mesure de relier les, alors, ce qu'on pourrait qualifier. Nous voyons justement pour une chita sur personnalité ça, Jean-Henri Séan. C'est pas un inconnu, c'est un homme qui appartient à la classe politique et du pays, donc qui a plusieurs reprises candidat à la présidence. Et justement, comme candidat à la présidence, à plusieurs reprises, Jean-Henri Séan n'a pas obtenu bénédiction et on a dit majorité électorale pour arriver à diriger le pays ça. Est-ce que quelque part, la vision rendue par Jean-Henri Séan durant les différentes campagnes électorales, et nous a dit son vision que la population a rejetée, est-ce que cet homme qui devient Premier ministre aujourd'hui, quelque part, il n'est pas en porte-à-faux par rapport avec perception, ça que avec que la population a été rejetée à plusieurs reprises, la vision vendue durant les périodes de campagne? Pas rentrer peut-être dans le couloir ça, parce que je dis, ce n'est pas la vision de Jean-Henri Séan qui te guide chef l'État, ou ensemble de secteurs, t'es réunis, je dis par rapport à un moment difficile que le pays a traversé, nous avons besoin, en citoyens, leur cité non, où personne n'a pas peur. Leur cité non, nous pas besoin de tout le monde confortable, mais pour une grande majorité de monde, sentir confortable, et nous besoin citoyens qui lui-même, bon, un certain esprit d'ouverture qui permet à Chita dialoguer et jouer un consensus nécessaire là pour nous faire régner dans le pays un climat de stabilité, de calme et de sérénité indispensable à la matérialisation de l'action gouvernementale qui, quelque part, doit être en parfaite adéquation avec la vision du chef de l'État. Ce n'est pas la vision du Premier ministre qui est en cause ici, mais c'est davantage un homme qui, tout en mettant en confiance tous les secteurs, aura cette capacité ou a cette capacité de prendre le président de la République par la main et de faire la route ensemble avec lui. Faire la route avec lui ici veut dire travailler dans le sens de la matérialisation de sa vision politique. Très bien. Alors, il y a un plus gros chantier, un des premiers défis pour gagner devant Jean-Henri Séan, c'est arriver, lui-même avec le président, bien sûr, réunir majorité dans deux chambres au niveau du Parlement, que ce soit au Sénat, mais également à la Chambre des députés, pour ratifier une déclaration politique générale l'IA. Mais à partir du 6, 7, 8 juillet, Jean-Henri Saint-Jurat a dit tout à l'heure, pratiquement, configuration de chambre, pas même. Avec consultation du président, normalement, président étant ça nous arrive, émanation d'une certaine majorité ou d'une majorité certaine au niveau des deux chambres, tu as supposé justement permettre que
bon facilité pour Jean-Rissélien lui-même est arrivé justement faire consensus au niveau des deux chambres. Mais ce n'est pas le cas. Jodia, au niveau du Sénat, Jean-Lucien Jura, nous pratiquement gagné une nouvelle majorité qui a pu se dégager parce que bon groupe des 10 là qui a pu se former. Au niveau de la Chambre des députés, bon groupe des 16, bon groupe de 32 tout cap formé. Et tâche là, lui pas annoncé le facile du tout pour le Premier ministre. Nous sommes en politique. Et en politique, la dynamique est en perpétuelle évolution. Mm-hmm. Et je dis que gagner de nouvelles mouvances, que ce soit au niveau du Sénat ou au niveau de la Chambre des députés, nous pensons que ça participe de la dynamique démocratique. Maintenant, chef de l'État est pleinement conscient de nouvelles données, de nouvelles réalités. Et Premier ministre Jean-Rissélien se songeait dans le premier message que vous voyez sur compte Twitter. Il dit c'est un Premier ministre qui mesurait et en jeu, je vous dis. Et il connaît que, si c'est vrai, que le président de la République l'a nommé, mais tout n'est pas fait. Mm-hmm. Il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire, je dis, c'est cette démarche à entreprendre au niveau des deux branches du Parlement pour qu'il y arrive à dégager la majorité. Ça. Et si le Premier ministre envoie avantage, je vous dis, c'est que non seulement lui-même, en tant que de parti qui compte réalité politique, il compte comment pour le surfer parmi les différents courant, que ce soit au niveau de la Chambre des députés, que ce soit au niveau du Sénat, mais aussi, il est certain d'avoir cet appui sûr du président de la République qui lui-même a mis tout poil dans le balancement, entendez par là, qui a accompagné le Premier ministre dans l'arrivée, dégager la majorité nécessaire pour que l'énoncé de politique générale que le Premier ministre a parlé pour le fait dans les prochains jours, eh bien, il est capable de recevoir le vote nécessaire pour que il y ait un gouvernement pleinement établi qui est capable de prendre charge et arriver à porter solution à défi qui devant nous là. Alors, Yudlan Gobouleva et Moun qui suivent l'actualité politique là, dernière semaine, ça a dit que le président de la République là, devant nous, c'est possibilité que Chambre des députés et Sénat République là, à travers différents groupes, et les différents groupes, vraiment différents groupes, eh bien, qui fait qu'on est, qui t'a fait quoi, que vous-même ne pouvez pas participer ni à négocier qu'un poste au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des directions générales, mais également au niveau du cabinet ministériel, quelque part, son boulevard devant nous là, mais qui est capable de dire à double tranchant pour nous. Bon, et il y a des déclarations qui faites en ce sens, et dans la consultation que le président de la République a été avec plusieurs partis politiques au Palais national, c'était une vœu, un souhait qui était récurrent que dorénavant, s'il y a des discussions qu'a faites au niveau politique, qu'a faites avec les structures politiques, les partis politiques, et non avec des élus pris individuellement au niveau du Parlement. Car ce qui arrive souvent, c'est que représentants que parti a gagné au niveau du Parlement, la plupart du temps, ils ne parlent pas le même langage avec structure politique. Et c'est souvent autour de Babel, entre langage que chaque élu non parti politique parle et langage parti à lui-même les parler. Et dans ce sens-là, différents partis ont formulé vœux que tu as gagné des discussions que tu as faites avec les structures politiques. Et là, et le président de la République a été clair, il dit écoutez, messieurs, ce sont vos représentants qui sont. Juste après ça, ça a quémé. Et lui, pas beaucoup entré dans la tractation, dans des postes et dans le gouvernement. Et il y a des réalités que je n'ai pas cernées. Alors, tout en étant du pouvoir, mais il faut savoir que au niveau du pouvoir, il y a des registres, des paliers, d'accord, et bon niveau que moi pas pénétré, mais en tout cas, nous dit que si Jean empile déclaration, on voulait faire comprendre, non, que tendance nous a constaté, ou réalité, nous a constaté depuis plusieurs années, côté que chaque élu qu'on a réclamé tranche gâteau paille, eh bien, si nous t'a tourné le dos à cette pratique,
eh bien, et peut-être que tu as gagné en plus grande marge pour le chef du gouvernement, pour le gouvernement, et même pour l'exécutif, pour t'arriver, délivrer, puis bien. Mais là, et pour le moment, ça nous doit gagner à l'esprit, c'est que, qu'on le veuille ou non, exécutif là, parce que nous dans l'arène politique, il y a pour obligation pour dégager majorité ça, qui pour faciliter vote énoncé de politique générale, Premier ministre Jean-Henri Séan, de telle sorte que définitivement le nouveau gouvernement puisse prendre charge. Très bien. Nabrablo, on va suivre l'émission pour là, Haïti 360. On a fait le point autour de nomination M. Jean-Henri Séan comme nouveau Premier ministre en un pays. Et pour nous faire ça, nous avons avec nous sur le plateau Lucien Jura, porte-parole président, il y a porte-parole, mais qui a apporté quelques informations utiles pour nous continuer à faire promotion, connaissance éclairée en dans l'émission pour là. Nous allons regarder ça acteur au niveau parlement, il y a même le pensée de nomination ça de M. Jean-Henri Séan. N'a pas tourné tout de suite après pour nous faire commentaire parce que en jeu avec perspective, il y a en pile. Je pense à Soya, c'est le meilleur côté pour suivre l'actualité politique là parce que il y a un pile bagage, vraiment un pile bagage important. Qu'a bien vous dit en dans l'émission ça. N'a pas tourné tout de suite après pour ça. Par rapport à nomination M. Séan, d'abord, je tiens à féliciter choix ça que le président. Excellence Jovenel Moïse l'y fait en accord avec les deux présidents des deux chambres. Et je crois que c'est un bon choix. Médecin a parlé avec tout le monde, c'est un rassembleur et c'est un monde tout qui a coûté toute couche. Ça m'a dit, médecin, préparez-le pour être capable de venir devant la chambre de l'UTA, venir devant le Parlement pour que nous retirions. Population dans salier journée jeudi. Nous gagnons ouverture de classe là qui c'est pour demain et nous gagnons population qui besoin de travail. C'est que dans pile barré captain nouveau premier ministre là m'a demandé le capable préparer et pour le capable répondre à défi ça. Nous prenons acte de nomination quant à la position de groupe 16. Non? Donc cela viendra un peu plus tard puisque nous projetons réunis jeudi en même, journée lundi, pour que nous analysions évolution situation et dégager une position officielle. Mais position, ça a le pape officiel, pas avant. Que nous commençons à prendre connaissance de éléments qui pourraient constituer ce fameux cabinet ministériel. Nous autres, dans niveau l'opposition, plus particulièrement groupe communément appelé G16, nous pas pral voter parce que le Premier ministre s'appelle Jean-Henri Séan, nous pas pral voter parce que le Premier ministre aurait pu appeler Evans Paul ou Edgar Leblanc, mais nous pral voter sous base un programme. Et lorsque nous dit sous base un programme, il ne s'agit pas d'avoir un discours pas devant l'Assemblée des députés qui promettent mon émerveille pour nous lever même pour nous voter. N'ap ton que le personnage Jean-Henri Séan lui montre qui ça est capable offrir à payant et capable offrir à payant de manière rationnelle, de manière méthodologique, sans démagogie, sans promesse fleuve. Et c'est seulement sous base considération ça y est que nous autres, les députés de l'opposition, nous capables envisager l'éventualité de en position. Mais comme nous l'avons dit tantôt, nous seulement pour le moment prend note, nous prend acte de nomination quant à la position de groupe 16 là. Donc cela viendra un peu plus tard puisque nous projetons réunis jeudi en même, journée lundi pour que nous analyser évolution situation et dégager une position officielle. Mais position ça a le pape officiel pas avant
que nous commençons à prendre connaissance de éléments qui pourraient constituer ce fameux cabinet ministériel. Parce que bloc 16 n'est pas inscrit comme un bloc régulier, mais je dois rappeler, c'est pas bloc qui constitué en force au niveau de la Chambre des députés, ses positions, chaque député, suivant compréhension yo de réalité paysan et suivant engagement yo gagné auprès du peuple haïtien. Haïti 360, un nouveau premier ministre qui perspective pour Haïti. Cette thématique ça n'a traité pour en dans émission pour là avec nomination Maître Jean Lucien comme nouveau premier ministre en dans pays là. Et pour nous faire ça, nous sommes sur plateau ensemble avec nous Lucien Jura qui c'est porte-parole présidence là. Une gros qualité que Lucien Jura a essayé présenter pour Maître Jean Lucien dans première partie émission, c'est côté rassembleur, leader remet Haïti à lui-même l'italien. Eh ben, une élément fondamental qui gagne jour et jour d'ya, l'on bon poste à responsabilité au plus haut niveau en dans l'État, c'est quoi qui gens ou qu'a pacifier la ria pour permettre que la République lui-même continue à fonctionner. Justement, Lucien Jura, c'est une grosse tâche, mettre Jean Lucien gagner devant pour parler avec acteurs politiques. Là, nous pas dans le niveau parlement, nous n'en plus dans le niveau mouvance et vous plus que le politique qui gagne. Soit par rapport avec capacité au gain pour mobiliser le monde. Nous connaissons Lavalas, par exemple, c'est une peut-être regroupement politique qui anime béton en pile dernier jour ça. Et mettre Jean Lucien, justement, son transfuge de Lavalas, c'est Ndaka dire comme ça. Est-ce que Jean Lucien, par rapport avec profil, par rapport avec passé, représenter personnalité ça, qui a discuté avec tout groupuscule ça, avec tout parti politique ça, dans l'idée pour nous pour aider nous en pouvoir reconquérir la ville et permettre justement que nous capables de mouvement ça qui toujours secouer pouvoir empêcher pouvoir réaliser projet qui ont gagné personnalité ça arrive ça. Alors au con ça qui vient de très amusant le campé et personnage et que premier ministre Lanier pendant dit que son transfuge de Lavalas ou abjoint gagner des partis de la race, donc que son premier ministre est calé. Et ou abjoint, quand tête calé, on dit non, monsieur, c'est la valace. Pour dire quoi au fait, tout ceci renvoie à l'homme trait d'union, nous avons fait référence à elle tout à l'heure. Jean-Henri Seyan, premier ministre haïtien aujourd'hui, faut n'ont pas perdu de vue que le chef de parti politique que le DIR, là, à partir du moment où le président de la République a fait nommer, il suspend homme pour devenir homme d'État. En d'autres termes, Jean-Henri Seyan, premier ministre, n'est pas là pour faire en catégorie plaisir. Il est là pour prendre en compte les intérêts de la collectivité et pour charrier de manière à ce que un climat de détente politique qui est installé dans le pays. Si 7-8 juillet mettait à nu gros problème grand goût, la vie chère, la misère qui gagne. Mais problème grand goût, la vie chère, la misère, si c'est vrai que c'est des problèmes réels qui devant nous méritent d'aborder, mais question instabilité politique là, c'est peut-être une plus gros menace qui gagne pour le pays à journée aujourd'hui. Et c'est gros défi ça qui devant Premier ministre Jean-Henri Seyan avec gouvernement, non, le président de la République, Jovenel Moïse, tout. Parce que si c'est vrai que selon un pile commentaire, nous entendez, président de la République est arrivé à partir de toute consultation, joindre l'homme idéal en termes de transversalité, en termes d'intersection entre tous les secteurs, mais bon, l'autre défi qui devant, je veux dire, c'est la formation du gouvernement. Pas oublier, président de la République, là, dans la soirée du 14 juillet, après la démission du premier ministre Jacques Guy Lafontaine, il dit que la projeté mettait en place
un gouvernement inclusif. Un gouvernement inclusif, qui ça, ça veut dire, c'est un gouvernement qui a ouvert à tout secteur, qui ont même animé d'intention de mettre la main à la pâte pour changer la réalité qu'il a journée et jour. Alors, par contre, je vais permettre moi de dire, Nabitio, ouais, en un pays, il y a un gouvernement qui très large, largement large, genre, même si comme un petit peu. Mais cependant, bon, qui est fondamental, malgré le gouvernement largement large, ça y est, souvent, la rue n'a pas arrivé à pacifier. Et stabilité politique sur Mandia nous pas arrivé à donner. Tout à fait. Et c'est conscient des enjeux. Jean le dit dans le premier message, dans le tweet, là, que le Premier ministre Jean-Henri Séan lui-même a accepté mission, ça, je veux dire, à ce carrefour décisif de l'histoire du pays. Le président Sénat, président Chambre députée, avec président de la République, là, fait dans un premier temps plus de 4 heures de discussion. Dans un second temps, il fait autant avant que désignation, nomination, maître Jean-Henri Séan est arrivé faite. Mais maître Jean-Henri Séan est venu tout dans le dernier carré de discussion. Parce que il était certain que il comprenne qui ça l'a rentré là et qui ça captonne comme défi. Et c'est un homme avisé, conscient des enjeux, des défis que Jean-Henri Séan a accepté mission. D'accord, il y a des expériences qui faites auparavant, côté effectivement que gouvernement de cohabitation, de salut public, d'ouverture, inclusif, il n'y a pas toujours marché. Mais c'est responsabilité, justement, chef l'État, avec Premier ministre, pour que il choisisse les acteurs qu'il faut. Et ceci sans arrière-pensée ou sans préjugés de qui côté au cas sorti, pourvu que vous gagnez compétence, intégrité, volonté, savoir-faire là et volonté pour vous mettre la main à la pâte. Président Jovenel Moïse dit souvent, et je dis à un peu plus qu'hier, un peu moins que demain, pas aucun sacrifice qui est trop grand. Je dis, hein, pour le fait, pour le quitter le pays, ça a devenu jeune, en bien meilleure santé sociale, économique et politique. Et si c'est par le carrefour du consensus, de la cohabitation et de la mise en place d'un gouvernement inclusif que cela doit sortir, eh bien, le président de la République n'a aucun problème à ouvrir l'angle qui permettra à tous de respirer cette détente politique indispensable à la conjoncture actuelle. Alors, nous connaissons en matière politique et la question d'image est fondamentale, la question de la perception pour personnalité qui est au plus haut niveau de l'État, son bagage qui est fondamental. Gagner des éléments en carrière, une personnalité qui est capable de visible et l'aile occupée et des postes, je n'ai pas dit, à responsabilité. Par exemple, le cas de Jean-Henri Séan, nous songeons scandale en Malawi. Là, Kaïmoun Kravé dit que Jean-Henri Séan, c'est une personnalité qui était jouée à ce que ça arrivait. Malgré 1 million de gouttes, nous songeons à l'époque que Jean-Henri Séan, il était touché comme notaire en opération, il était remettre par les victimes. Mais résidu ça, et de faire ça, il est toujours là, il a l'impression, même de manière latente, il a toujours existé. Alors, comment changer la perception? Est-ce que déjà pouvoir penser à une politique communicationnelle pour changer perception ça, que mettre séance au monde qui campait en face, monde qui pas gagne trop moyen? Alors, c'est le cas du président français actuellement, le président des riches, Emmanuel Macron. C'est comme ça qu'on dit lui. Pour nous dire qui ça, au fait, si vous t'apprends à le chercher, on pourrait faire l'unanimité autour de tous les secteurs. C'est pas sur planète Terre, t'as voulu dire. Il nous faudrait nous rendre sur Mars ou sur Jupiter. Parce que même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Pour dire quoi? Je ne peux pas les présenter en avocat de maître Jean-Henri Séan parce que homme de loi, je connais une capacité lui-même pour être capable de faire le poucol. Mais si je t'a tenté réagir à la question posée, n'a pas dit où est un citoyen qui a levé pour
col et puis pour la démolir toute carrière qui est en bas la ville là, plus quoi que maître Jean Risséan, c'est ton élément de yon ensemble qui t'est constitué l'appareil d'État, justement, qui t'est pour une décision, et lui-même, en tant que notaire, qui t'est requis dans la circonstance, et t'est gagné en partition pour le jouer. Alors, c'est la raison pour laquelle nous dit qu'il faut changer perception. Justement, mais perception, est-ce que en politique, nous, perception, vous faites. Écoutez, comme le Premier ministre vient d'être nommé, demain l'a installé, ligue pour le prendre charge, c'est sûr que moun mwen konwe a mettre en place une équipe de communication qui est capable de porter toute clarté nécessaire, tout éclairage pour ça. Mais ça m'a contenté pour me dire, pas un seul monde qui déclenche le vent bonjour, dit va craser tout ça qui est la ville. Là. Et puis, le professionnel, dans l'exercice de son métier, notamment dans le domaine du droit, il est difficile pour que pendant qu'on défende l'intérêt au client, ou pas faire un adversaire. Et là, il paraît que client, M. Jean-Risséan, c'était l'État haïtien, puisque c'est l'appareil d'État qui agissait. Et forcément, ça t'a fait des mécontents au niveau de tout le monde qui au même senti lésé. Haïti 360, n'a fait le point autour de nomination M. Jean-Risséan. Nous avons gardé un gros défi politique qui gagnait devant notaire là, qui fait que nommé comme Premier ministre, il va gagner pour l'installer dès demain et ensuite pour le former équipe gouvernementale en là devant le Parlement pour aller essayer de demander un Parlement approbation par rapport avec présentation et dénoncer le politique générale, pour accepter la vision ça que la traduit, c'est pratiquement vision chef de l'État à tout, l'obliger pour prochain mois, ou prochaine année, ou entamer des projets qui t'ont gagné comme but, permettre que le bien-être collectif là arrive à atteindre. Mais en attendant, nous allons pour nous garder dans la troisième partie de l'émission, pardon, enjeu économique qui attend M. Jean Risséan suite à nomination et probablement ratification que le capable de joindre au niveau des deux chambres du Parlement. Juste avant ça, nous avons invité, suivant notre extrait, le sénateur Youri Latortue, lui-même qui t'a livré point de vue sur nomination M. Jean Risséan et qui t'a baillé toutes conditions pour partie que l'a dirigé à Haïti en action et mettre à intégrer prochaine équipe gouvernementale. N'a pas fini d'extrait, n'a pas tourné avec Lucien Jura, qui vraiment bien parlé à soi en édition pour la Haïti 360. D'ailleurs, c'est toujours comme ça avec invité Lio, parce que promotion connaissance utile là, par l'autre côté de la fête que en émission ça, émission pour la Haïti 360. Sous question de choix de M. Jean Risséan, moi pense que M. Jean Risséan, en termes de rassembleur, il a commencé à faire travail là. Moi pense que ce qui est plus important, c'est que comme sénateur, nous allons vérifier le travail nous dans la pièce Lio et nous allons regarder dans la présentation de politique générale. Est-ce que, point ça, que nous parlons de lutte contre la corruption, est-ce que non seulement il va citer le nom, est-ce que l'entrée la donne, est-ce que ça va le faire, est-ce que l'engagement la donne, Haïti en action par la majorité, t'es une majorité que fait, majorité va exister, Haïti en action a réfléchi, où est ce qui groupe que nous allons entrer, mais nous pas ni contre le gouvernement, nous pas ni supporter. Nous avons une position de réflexion par rapport à l'État. Haïti 360, un nouveau Premier ministre pour Haïti. Qui perspective? Eh bien, c'est thématique ça, n'a pas traité pour assurer dans l'émission pour là. Haïti 360, pour Guido, c'est un monde dans l'émission. Hein. Lucien Jura, qui c'est porte-parole, youn porte-parole présidentiel, qui a porté Grenzel parle en dans discussion pour permettre que vous êtes piclé ou même qui chute à la caillou pour comprendre la raison que fait choisir Jean Risséan lui-même comme Premier ministre, qui s'accapte comme défi, non seulement au niveau politique, mais également au niveau économique et au niveau social. Déjà, nous finissons d'aborder un défi politique. Nous allons regarder avec Lucien Jura qui s'accapte comme Premier ministre là, au niveau économique. Et une première question qui vient là, Lucien Jura, 6-7 juillet, pratiquement économie pays qui était déjà pas dans mon état, vient en lambeau, acteur économique qui prend gros saccade. Un Premier ministre qui
fin nommé là, yon nan bagay li ta dogue nan tèt li, c'est ki jan li pral aide reconstruire économie pays. Et ça, c'est son plan. Déjà au niveau pouvoir, et nous commençons à penser à ça et dans yon éventuelle politique. Alors, c'est justement une nécessité que le président de la République a intégré pour être fait parmi tous les choix possibles, le meilleur choix. Et question sont posées là, c'est une gros équation que le Premier ministre Jean-Henri Séan, avec la nouvelle équipe gouvernementale, il sera obligé d'adresser. Effectivement, 6, 7 et 8 juillet, Yovine mettait à nu un problème qui était peut-être à l'état latent. On a parlé de problème misère, problème grand gouant, problème charté, la vie. Et qui ça, 6, 7 et 8 juillet, il a clairement imposé l'administration président Jovenel Moïse comme une responsabilité immédiate, c'est porter bon gens réponse à question la vie chère. C'est vrai que dans vision politique, le président Jovenel Moïse, et c'est incontestable, à travers toute action caravane sur l'étendue du territoire, que ce soit au niveau des infrastructures routières, nous avons volume route qui a fait, investissement qui a fait dans gros matériel, plus de 400 gros engins, plus matériel CNE qui était réparé, ingénieur qui a pied d'œuvre, usine asphalte, route cap fait, cap percé, cap connecté, section communale, tout partout dans le pays. Hein. Au niveau de l'agriculture, la caravane du changement, les centres de germoplasme, barrages d'irrigation, etc. Bref, bon ensemble de gros chantiers, que dire de l'énergie, mais nous tous d'accord. Si c'est vrai que vision ça et action ça va poser, hein, yo indispensable dans le cadre développement durable, mais gagner des besoins nous capables dit immédiats qui ont même jodi hein, mérité adresser et n'ayons pas peur de le dire. C'est ça, 6, 7 et 8 juillet, t'es voyé comme message par le président de la République. Là. Et le président de la République quand dit, peuple haïtien, ou parler moins. Attendez, moins comprendre, c'est pas seulement retrait, mesure, ajustement, prix, produit pétrolier, c'est disposition brale prend pour être capable de porter solution à problème. Et solution, ça, il a passé justement par le truchement du nouveau gouvernement. Donc, gouvernement que le Premier ministre Jean-Henri Séan a dirigé dans les jours à venir, là, il a dans un moment pour lui créer un climat de détente politique, surtout, mais au niveau social et économique, comment créer l'apaisement? L'apaisement, c'est à travers les programmes sociaux, d'une part, mais c'est à travers un ensemble de dispositions également pour voir comment nous sommes capables de combattre la vie chère progressivement. Mais fuck dans la démagogie. Il y a des vérités qui duent peuple. Mais en tant que chef d'État responsable, il faut que le président Jovenel Moïse dise parmi ces vérités, c'est manger qui baisse pour manger. Lors d'un pays côté tout ça à consommer, c'est importer ou importer. C'est dans un pays étranger le sorti, et bien par les moyens pour monnaie locale, les monnaie internationale, on a parlé de goudla par rapport à dollar et conséquences ou pral wè yo sous marché. Mais quel est mon cap jour là et pratiquement politique économique qui prend dans le pays à dernière année ça pas permettre justement que nous produisons richesse et acteurs économiques surtout pas entrer dans dynamique production de richesse là pour permettre que non seulement qu'il y ait plus d'emploi mais au moins pays à l'émet à respirer jondia nous pas obligé de dépendre de sa cap vini à l'étranger venant dans le pays à tout le monde c'est commerce à faire ou bien l'impression justement politique économique de dernière année a plus facilité moun qui a fait commerce que moun qui a investi dans la production. Est-ce que là nouveau gouvernement ça et par rapport avec ça dit comme nouveau gouvernement pour en place justement libre à aller dans la direction ça il est obligé à un sens correction. Bon petit exemple tout simple pour cap sur télévision nationale d'Haïti à soir dans le pays d'Haïti je dis
nous consommer, pour nous manger seulement, nous-mêmes, peuple haïtien, sur 27 700 km², nous manger environ 500 000 tonnes de riz chaque année. 500 000 tonnes. Est-ce qu'on compte combien de riz nous arrivons à produire dans le pays? Autour de 80 000 à 100 000 tonnes. Donc, nous gagnons un écart de près de 400 000 tonnes de riz. Et 400 000 tonnes, ça, pour nous manger seulement, c'est à l'étranger d'acheter pour nous consommer. Et ça nous acheter à l'étranger, le vin sur le marché, il va un plus bon marché parce que du riz que nous fait la caille, nous, hein, la plupart du temps, 100 000 tonnes nous produit environ, hein, c'est pas nous tous qui sommes capables d'acheter, qui presque tout nous produit de luxe. Lorsqu'on a un écart de 400 000 tonnes entre son produit et son consommé, si ce n'est pas production là augmentée, eh bien, à force ou à importer, si sorgue comme production, pour décourager planteur, pour décourager agriculteur, et puis pour enterrer tout net. Je dis à gagner des décisions extrêmement difficiles pour nous prendre. Il y a des priorités pour faire ici. Pour nous dire, le président Jovenel Moïse dit, voie relance production agricole là, c'est la meilleure voie. Voie, je dis, pour mettre sécurité sous frontière là, pour contrôler les affaires contrebande, c'est la meilleure voie. Voie pour combattre la corruption, que ce soit dans l'État ou bien dans le rapport entre l'État et le secteur privé, c'est la meilleure voie. Voie pour que ait une gestion rationnelle. Des ressources disponibles. C'est la meilleure voie. Mais écoutez, je dis à un bagage qui va en pile problème. Pour la voie, ça, Lionel, c'est carrément une bataille pour mener. Et bataille, ça, c'est entre l'ordre ancien, qui a la vie dure, et l'ordre nouveau, qui demandait que y ait un nouveau virage. Ça. Et pour faire réforme, ça, il n'est pas toujours évident. Mais je vous dis, il faut qu'avec la nouvelle équipe qui va prendre les rênes du pouvoir, eh bien, juste mesure là, il arrive à lui-même pour que décision difficile ça, finalement. Oui. De toutes les manières, il faut gagner des politiques qui prennent pour permettre que les petits producteurs, les nègres qui ont un bout de roue dans le mail, qui ont tête pleine de mariba, ou les nègres qui ont un balai de la tibonite, lui-même, les protéger, même si ça fait dans pile pays sous la terre. Pour aider les pays, les paysans, les gens qui ont planté, les gens qui ont investi dans la production dans le pays, la bataille contre le dumping qui a fait au niveau international, qui fait que les produits, justement, importés, ils ne vendent plus au marché et ils détruisent la production nationale. Là. Et son processus qu'il a depuis assez longtemps, qui est la vie du Jean-Jules Radabdivia, mais il faut gagner des politiques sérieuses qui prennent dans le pays. Et le nouveau gouvernement, ça, justement, c'est un défi là bien pour faire face à lui. Nouveau chapitre en émission pour la Haïti 360, Lucien Jura, et nous allons rapide, vraiment rapide. C'est déjà un chapitre qui était entamé avec le président Jovenel Moïse. Il n'y a pas jamais eu l'occasion pour dire que la bataille contre la corruption, c'est un élément essentiel en mandat par là. Et nous avons regardé le régulateur tout à l'heure qui a dit eh bien, il y a une condition pour l'équipe gouvernementale qui va monter là, justement, faut que la bataille contre la corruption, lui-même, l'État, est clairement établi par le nouveau gouvernement. C'est une nouveau chantier, bataille contre fraude, contre corruption, contre malversation qui fait, mais qui était faite déjà, qui gens nous-mêmes déjà nous commencer. Bon, on va dire nous commencer parce que quelque part, président, vous le disiez, une priorité. Et Jean Rousseyan, c'est l'homme qu'il faut avec, nous avons dit, ceinture dans pantalon, Jean Dadroyer pour goumer contre fléau, ça qui c'est corruption. Et Jean président de la République l'a dit tout, qui c'est une plus gros mal que le pays a connu pendant 30 dernières années. C'est vrai que le gouvernement du Premier ministre Jean Rousseyan l'a vigné avec certainement quelques touches de nouveauté pour capable bien aborder le virage qui est devant nous. Mais gagner, ça n'est pas capable de briller des axes, je dirais presque inébranlables, incontournables, et qui doivent constituer ADN Mac Fabrique même. Quelqu'un a président Jovenel Moïse.
nous n'adhérons, c'est la lutte contre la corruption. Il y a plusieurs signaux qui voient déjà, que ce soit dans le contrat que l'État lui-même l'y revisiter avec des firmes dans le contrat route, dans le contrat électricité, que ce soit dans l'intervention fait sous gens matériel yo, ou encore usine d'asphalte qui était là, qui était enterré en bataille, qui ressuscité, on mettait tout notre travail pour combattre la facturation, etc. Mais bon, l'autre degré d'engagement qui doit prendre, et président de la République là, conscient, c'est l'arsenal juridique également contre la corruption. Savez-vous aujourd'hui que n'a pas posé problème de corruption, mais peut-être qu'il faudrait aussi aller voir dans nos lois. Très bien. Pour l'heure d'où il n'y a pas de corrupteur sans corrompu. Sans corrupteur. Mm-hmm. Mais écoutez, sans corrupteur, il n'y a pas de corruption du tout. Mm-hmm. Sans corrupteur, s'il n'y a pas l'offre de corruption, alors vous n'avez pas la corruption. Bon point essentiel au soulever là, c'est la question du cadre légal, cadre juridique pour combattre la corruption, justement. Mm-hmm. Et élément 6-7-8 juillet yo, et 26-7-8 juillet, yo, yon nan bagay ke mete a nu, c'est le Parlement. Ben, c'est une principale cible. Et met sa yo, et kapab di tout discours politique qui découle de met yo, Parlement. Est-ce que jounen jodi a, avec ce qu'on a comme Parlement, il faut qu'on dit, par rapport avec tout scandale nous attend les derniers jours sa yo au niveau du Parlement, bataille contre corruption, justement, nous capables de compter sur le Parlement ça, en état actuel, et bien justement, pour nous joindre meilleure loi, meilleure texte, pour nous arriver à bataille efficacement contre la corruption. Poser le problème de l'existence ou de l'importance du Parlement aujourd'hui revient pratiquement à poser la problématique de l'existence ou de l'importance de l'armée dans les années 90. Est-ce que c'est l'institution parlementaire qui pose problème ou certaines des composantes de l'institution? Nous pensons que c'est pas, on pourrait prendre la présidence aussi, on pourrait prendre l'exécutif. Est-ce que ce sont les individus ou l'institution? Pas quoi que c'est institution, mais nous pensons davantage que c'est composantes qui aujourd'hui ont gagné des réserves par rapport à qui moun population a voté, qui sa moun sa gagné comme préparation, comme volonté, comme capacité pour accompagner. Je dis en nous qu'a posé toutes sortes de problèmes. Mais tant que nous n'avons cadre système démocratique là, qui reposait sur les trois pouvoirs dans leur dépendance ou leur interdépendance, eh bien, c'est avec que vous nous comptez, je ne veux dire. Là, vous êtes capable de dire, et la réforme militaire, justement, c'est un élément fondamental que le nouveau gouvernement a supposé aborder. C'est un problème majeur, effectivement. Et son problème qui joue une réponse li, dans les états généraux sectoriels de la nation, qui c'est la plus grosse plateforme que le président Jovenel Moïse jugé bon mettre en place pour aborder ces problèmes structurels pour nous faire des projections sur 25, sur 30 ans. Très bien. Monsieur Jura, c'est invité nous à soir dans l'émission pour la Haïti 360. Nous arrivons pratiquement à la dernière ligne droite émission, mais une dernière question. Mais nous tapons le problème à la tête. Moi, c'est une bataille posée, Lucien Jura, qu'est-ce que ça? C'est sur le plan social. Nous visiter la sphère économique, la sphère politique là, mais sur le plan social, nous ne pouvons vraiment dire grand-chose. Et nous avons fait ça avec une seule question. Lucien Jura, gagner des dispositions qu'on prend pour réduire la disparité entre les gens qui gagnent et les gens qui ne gagnent pas dans le pays. D'ailleurs, alerte 6, 7, 8. Juillet, c'est une conséquence justement disparité ça dans la société qui s'appelle le fait dans le gouvernement. De plus en plus, nous avons des voix qui sont élevées, pas seulement au niveau du gouvernement. On a l'impression que bon prise de conscience nationale par rapport à cela, où est des réflexions qui sont faites sur comment réduire le train de vie de l'État au niveau de l'exécutif, au niveau du pouvoir législatif, où est des réflexions qui sont faites sous affaire salaire minimum, je ne veux dire, question de disparité. Mais toujours est-il, nous toujours connaît que dans toute société, l'État n'a pas bail job. L'État crée les conditions pour que les gens qui ont l'argent créent des jobs pour les gens qui ont des compétences et des talents viennent travailler. Maintenant, comment faire en sorte que le employé travaille, touché comme il touché, qui permet de vivre dans la dignité, dans l'honneur, pour le capable de vivre, matérialiser, rêve la ville, eh bien, ça passe effectivement par de grandes mesures, des réformes qui permettent que citoyens, au niveau social, leur fin touché finalement, ils n'ont pas l'impression qu'ils ont été
toujours au chômage et c'est un gros défi qui devant journée aujourd'hui l'équipe que capitaine Jean Rissien comme premier ministre même il pourrait bien pour le diriger. Très bien. Nous pensons que nous faisons le tour de la question au niveau de nomination ça de Jean Rissien comme nouveau premier ministre. Émission pour la Haïti 360 rivée dans Boutli, mais Nabdou. Une des choses qui est extrêmement importante, c'est qu'à partir de 1987, le pays a fait choix de démocratie comme mode de gouvernance. Et c'est pratiquement le même choix, ça. En pile, l'autre pays en Occident fait que vous choisissez la démocratie. Démocratie a reposé sur trois pouvoirs, c'est le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Pas qu'à la démocratie sans une des trois pouvoirs, ça. Sauf que tous les trois existent pour qu'il y ait démocratie. Journée aujourd'hui, nous arrivons encore au fond, côté nous obligés de faire des choix. Choix difficile, c'est vrai, mais il faut que nous fassions. Il y a des gens qui parlent de l'amendement de la Constitution pour permettre qu'il y ait une meilleure réforme qui fait dans l'État. Il y a des gens qui parlent de la nouvelle Constitution, justement, pour rebattre et rééquilibrer le pouvoir, pour permettre que, justement, la démocratie arrive à fonctionner dans le pays. Parce que, pratiquement, depuis 30 années, la démocratie n'a pas fonctionné. Tout ça, c'est libre. Tout ça, c'est un pile parole qui a parlé autour de conjoncture là en d'un pays. Assoya Lucien Jurat a porté un pile explication pour vous, notamment dans sa cap fait au niveau de l'exécutif là avec choix de Jean Rissien comme nouveau premier ministre. Et parole, on va continuer à parler en d'un émission pour là, dans l'idée pour permettre qu'on voit pique et de comprendre sa cap fait et qui Jean prochain jour va lier pour vous. Mais en attendant, n'a pas campé là. N'a pas cassé rendez-vous avant pour l'autre édition. Pendant la première séance de Jura pour toute parole éclairée qui était votée en émission pour nous. Merci Lionel, c'est moi qui vous remercie encore une fois. Et pour tous les téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti, on a dit que le président de la République a pris des engagements. Il connaît un entrer dans un combat qui est extrêmement difficile, mais il connaît tout que sans des hommes de conviction et de beaucoup de courage, il est difficile pour Haïti sortir dans sa lia. Donc chaque jour, il renouvelle le même courage, le même engagement, ça, parce qu'il était prend un engagement formel avec pouvoir côté balien pour le mener pays vers le sentier du développement et du progrès durable. Et c'est engagement, ça, il est respecté. Merci en pile. À la prochaine. Bonne soirée. Parole éclairée par James.